Bonjour tout le monde, ici Picapof qui sait pour notre épisode de Diablo 2 Resurrected. On est rendu dans l'espèce de monde étoilé, bizarre, fucked up. Et il faut tuer l'invocateur. Puis elle a l'air de faire mal, fait qu'on va faire attention. Fait que sanction des arcanes. On a une section qu'on n'a pas explorée encore, on va aller voir. Je trouve que le son est fort, mais on va arranger ça. Yeah.
un cul-de-sac? Oh non, pas un cul-de-sac. Mes loups sont très puissants. Hein. Juste les gros boss qui les décalissent, mais sinon... Sinon, ça va super bien. Ça non plus m'intéresse pas. Prochain niveau, on va voir le méga loup. Au score 75 au score d'attaque 5 de mana, ça c'est quoi ça fait? On va aller voir par là. J'aime crissement pas cette place-là parce que mes troupes se déplacent pas très bien.
Je pense que j'ai tout fait, mais juste être sûr. Il y a une place au milieu. Que je pense que je pouvais aller. C'est que j'aime pas ça, cette place-là. Genre ici, là. Là, on va aller battre l'évocateur. Question mark. Est-ce que ça fait d'envie, celle-là? Ok, let's go. Bon, il fait pas du poison, il a l'air de faire de la glace, mais c'est pas grave. Si on va attendre que ma stamina revienne tout au complet. Let's go. Là, je réussis à monter. Il est mort. Mais... je peux enfin quitter cet endroit de cauchemar. Retourner en ville pour acquérir de nouvelles informations. Trouver le journal, a raison. Ne peut être réparé, c'est de la base. Plus pour les sorcières uniquement. Je crois. Quiconque cherche le tombeau de Talracha devra franchir la porte. Mais sachez que les glyphes scintillantes que vous voyez dans mon sanctuaire des Arcanes sont les signes de 6 fausses tombes. Le 7e signe, manquant, indique le tombeau de Talracha. De tous les Horadrim, il fut sans doute le plus grand. Les clans des mages connurent une brève période de gloire quand ils mirent de côté leurs différences pour s'unir contre un ennemi commun. Les Horadrim pourchassèrent les Trois sans relâche à travers les empires désolés de l'Est et même dans les territoires inconnus de l'Ouest
laissant sans tache les mains de l'archange Tyrael. Présumant que les trois avaient été vaincus, les Horadrim laissèrent libre cours à leur querelle. Négligeant la surveillance des trois pierres d'esprit, les clans des mages se disputèrent pour des vétilles. Non seulement ces conflits mirent fin à cette confrérie, mais pis encore, elles fortifiaient le mal qu'ils avaient enterré au plus profond de la terre. Quiconque... Ok, ça c'est fait. Oh. Ok. La croyance est la meilleure des armures. Le bouclier protège le corps, mais la foi fortifie le cœur du brave. Je ne ressens aucune pitié pour ce prétendu invocateur. Sa soif de pouvoir a provoqué sa perte. Vous n'avez fait qu'accélérer les choses. Je peux-tu mettre mon argent? Oh, peut-être que je peux mettre mon argent ici. Je vois, je peux déposer de l'argent, comme ça je ne le perdrai pas si quelque chose me tue. C'est bien. Heureuse de vous voir. Je ne ressens... Donc, il reste ça pis ça. Restez un instant et écoutez-moi. J'espère que cet apprenti sorcier repose en paix. Il sera probablement entraîné en enfer par les démons qu'il commandait. N'oubliez jamais cela. La magie noire est très attirante, mais elle est mortelle. Bonjour à vous. Eh bien, vous avez ce que vous cherchiez. Alors partez avant qu'il ne soit trop tard. Ok, fait que là, il y a comme des faux tombeaux, mais est-ce que chacun des tombeaux a quelque chose? C'est comme un mini-donjon d'une certaine façon. Fait que probablement que je vais toutes les faire. Me connaissant, si j'aurai le plus d'XP possible. Ça serait quelque chose à faire. Puis-je vous amener? Vous vous dirigez maintenant vers les tombes? Je crois qu'elle se trouve au cœur du désert. Pas ici. Précisez vos intentions. Les forces démoniaques qui s'échappaient du sanctuaire corrompu se sont évanouies. Je vous remercie du fond du cœur pour votre aide. Nous pouvons désormais penser à rebâtir nos vies. Mais tout ceci ne servira à rien si vous ne mettez pas un terme au mal plus terrible encore qui gagne rapidement du terrain. Pas de pression, hein? Bonjour à vous. Ça me rappelle le bon temps, quand j'avais encore deux mains, deux yeux et deux jambes. Heureux de vous voir. Alors, Horazon est mort depuis quelque temps déjà. Avez-vous au moins trouvé ce que vous cherchiez? Bonjour à vous. De très puissantes forces se dirigent vers nous. Vous devez trouver le tombeau rapidement. Une pinte et c'est reparti. Vous êtes la personne que nous attendions. Finalement, tout n'est peut-être pas perdu. Hey ! La façon dont je vois les choses, c'est...
Que c'est plutôt flou. Ok. Bonjour à vous. Ah, quel est toujours le sort de ceux qui pactisent avec le malin. Ok. Canyon. Let's go. On tourne au canyon des mages. J'ai aucune idée où je m'en vais. Ah. Je vois. Les enfers. Bon, j'ai perdu. Le tombeau de Talrasha, ça serait lui? C'est un rond, mais est-ce que chacun des tombeaux va me dire le tombeau? Vaste. Il y a un tombeau à date, j'ai trouvé. Ok, chacun. J'en ai deux. Trois. Un carré. Thank you.
Je peux voir par ici, j'avoue, on peut. Ok, le rond. Ok, fait que le carré, ça doit être la bonne place. Je pense que je l'ai trouvé déjà en partant. Ok. Note à moi-même, le carré est là où est la bonne place. Faire assez de dommages. Je sens que je sais pas c'est quoi le boss, ça va être sûrement Mephisto. Là. Peut-être pas, je sais pas. Il faut empêcher Diablo de sortir son frère de là. Je sais pas à mon élémental. Un rond avec un quai, ouais. Un triangle. Il y a vraiment un carré, right? Ouais, il y a un carré. Puis lui, il était pas dans les formes. Fait que ça, c'est la bonne tombe. Ça, je me rappelle avoir vu une étoile, oui. Deux, trois. Il n'y a pas sept. On dit ça.
Il y aurait 7 tombeaux. Fait qu'on va faire le premier, 7. Qui est un rond. Créature que j'adore. Que j'ai chéri dans mon cœur. Oh, lui, c'est le scarabée. Jesus Christ. Ça n'est pas la peine. Ok, on continue.
On a mépété. Plus de durabilité que mon arme, par exemple. Bonjour. Je suppose que ces donjons-là n'ont pas plus qu'un étage, vu que c'est des faux, d'après moi. Yes. Tu me fucking niaises. Oh my god, que c'est sans dessin. Comment tu veux que je me rende là, là maintenant? J'ai plus aucune arme. Que puis-je pour vous? Besoin d'un coup de main? Je trouve mes affaires. C'est un système de marde là, de tout perdre mon stock puis faut que j'aille le retrouver là. C'est pas Dark Souls tabarnak là. Bon, je pense qu'on va arrêter de jouer à Diablo, c'est fini. On abandonne le projet. Peux-tu mettre ça facile genre? Juste être au cas où. Ils m'ont tué, genre. Je sais pas, c'est toi qui faisais ça, là. Ça, c'est le numéro 1. Mon corps est dans le fond. Thank you.
des pièges. J'avais pas de l'argent ici, quelque part. J'ai jamais eu un combo aussi difficile de rendement. Ça c'est une des tombes. Il y en a 7. J'espère que c'est pas juste de ça. Dégueulasse comme ça c'était bizarre. Merci. Thank you.
Jesus Christ. Mais t'en as, j'ose même pas avancer. Hein. C'est très rough. Mais sans comme sous les vols, je sais pas trop. Hein. Tu fasses attaquer tes loups. J'avais rien d'autre ça. Ça m'a fait un level up. Jesus Christ, que je dois plus avoir vraiment d'armure. Ok, ça c'est le premier. Numéro 2. Ouais, s'il y a pas de scarabée, je suis bien content. Ah,
là j'ai fait. Oh, je peux avoir un loup féroce en plus? Ok! Honnêtement, j'utiliserai pas... Ok, là j'ai un loup féroce. Ouais, ils vont tout faire le job pour moi. Continuez par en haut, j'ai pas été partout en haut. Y'a rien de bon. Moi, je fais juste ça pour l'XP là. Je sais qu'il y en a qui pourraient aller directement vers le bon. Oh non! Thank you.
Je vais crever, tabarnak. Quand est-ce que le poison s'en a? Je vais mourir. C'est un honneur de vous servir. Jesus Christ, ce poison-là voulait pas partir. Défense 9. Défense 11. Je vais voir ce qui se passe ici. J'ai plus de potions par exemple. Pas en ville. There you go. J'ai perdu deux loups, mais c'est tout. Donc ça c'est pour le deuxième. Fait que le troisième il est là, on va faire ça au prochain épisode. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été à tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.